Bon, je me suis assis à la grande table avec du monde, du coup j'ai parlé avec des gens et du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Je suis revenu à Crate Coffee et c'est vraiment un endroit super. Le jus vert là, plus l'espèce de burger, 6,30€, génial. Et maintenant je vais suivre un anglais trop cool. Même les anglais sont cool ici, vraiment c'est improbable. Parce que je crois qu'il fait vachement de surf et il a une école de surf à me conseiller pour aller surfer demain matin ou cet après-midi. Donc je vais aller dans cette école de surf. Contents qu'ils m'ont remis la petite housse de sel pour pas qu'elle soit trop chaude. Vraiment c'est super ça. Ça c'est un régal. Bref, du coup maintenant je vais suivre jusqu'à la plage. Hop, lunettes, je suis prêt. Pour une première leçon, j'aimerais ce genre de planche trop stylée. Bon, je pense que je vais finir avec une en mousse comme ça pour débutants, mais j'aimerais la rouge. Bon, j'ai détruit les vagues, faut que je range ma caméra, on se voit après. Ça y est, je suis un rider. Enfin, ça c'est pas ma planche. Et je ressemblais pas du tout à ça. Ça ressemblait plus à ça, moi. Ouais, voilà, c'est plus juste. Franchement, j'en ai fait pendant 2 heures, je suis éclaté. Ça fait travailler des muscles qu'on n'utilise jamais, putain. On fait jamais ce mouvement dans la vraie vie, même à la muscu, on se muscle pas à cet endroit. C'est épuisant, mais je pense que c'est un entraînement. À mon avis, au bout de 15 jours, on le sent plus. Et une fois qu'on arrive à pagayer normalement, je pense que c'est mieux. Sinon, c'était top. Franchement, le prof particulier qui nous pousse et tout, ça aide à mort. Je pense même que ça change tout, on arrive à attraper beaucoup plus de vagues et tout. Non, c'était top. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que maintenant je suis un peu un local. J'ai pu mettre un t-shirt en étant tout salé avec le maillot de bain mouillé. Et je vais rentrer en scooter dans cet état. Impeccable. Si je suis un vrai, normalement je vais boire des bières au bar de la plage après, mais je suis pas du tout sûr d'en être capable. En même temps, ça fait déjà 15 minutes que je suis sorti de l'eau et je viens à peine de reprendre ma respiration. Mais franchement, j'ai bien pris 6-7 vagues. J'ai pas été si mauvais. Le secret, c'est d'être bien accroupi et de mettre bien tout le poids sur le pied de devant. Je suis vraiment en train de donner des conseils après avoir passé 2 heures à surfer comme une merde là. Allez, je vais aller parler aux deux meufs qui étaient dans la même école que moi maintenant. Ok, il est temps d'aller prendre une petite douche et ensuite beer pong et compagnie. Allons prendre la petite douche. Sauf si j'ai la flemme pour le beer pong, ça peut aussi arriver. Elles ont pas utilisé l'expression on va se laver, elles vont se freshen up. Ce qui en effet sonne vachement mieux. Donc je vais aller me freshen up moi aussi. Ça y est, j'ai freshen up. Je crois que le chapeau c'est trop quand même. Burger vegan, surf et chapeau dans la même vidéo, j'ai peur que ça finisse par faire trop quand même. Bon, maintenant je vais aller manger dans un war room du coup. Je crois que l'utilisation du mot war room c'est trop aussi, non? En fait, c'est le nom de l'espèce de resto typique qui vend du riz et des légumes à côté là pour pas cher du tout. Je vais vous montrer, c'est là où je suis allé l'autre jour, je vais vous montrer. Ça s'appelle un war room, en fait il y en a plein. Je suis allé dans plusieurs, mais en fait c'est celui dans lequel je suis allé la première fois qui était le meilleur. Donc je propose qu'on se retrouve là-bas après une petite transition rapide. Clac clac. Wow, on y est déjà, c'était vraiment rapide. En fait, on choisit la base, j'ai choisi riz marron parce qu'il paraît que c'est plus simple. Et ensuite, on prend des toppings. Ça c'est du tofu au citron vert, c'est délicieux. Ça c'est du tempeh frit, ça c'est du tempeh qui croustille. Ça c'est sucré, ça c'est bon, on dirait un peu des nougats. Et ça c'est des beignets de maïs je crois. Trop bon ça aussi. Et ça ça a coûté 3€ parce que ce war room là il est plutôt dans un quartier fancy. Enfin il est à côté des bars stylés de Canggu, donc normal qu'il soit cher. Mais il y en a des plus éloignés où on peut payer moitié prix. J'ai fini, je crois que ce repas a duré 1 minute. J'ai soif, je vais boire de l'eau. J'ai dit aux gens que je retrouvais que j'avais la flemme d'aller à une soirée beer pong. Mais j'ai dit où j'étais et du coup ils me rejoignent. J'imagine que je vais être obligé de sortir du coup. Pas le choix. Aussi je porte un pull mais c'est absolument exagéré, il fait 25 degrés. Bon, c'est ma dernière soirée à Canggu, j'imagine qu'il faut que j'aille boire une bière pour pas être complètement un rabat-joie. Par contre je me lève tôt demain donc je bois qu'une seule bière. On va partir sur un petit montage filmé avec mon téléphone et on se retrouve dans ma chambre. Parce que généralement les bars n'acceptent pas les grosses caméras. Pour reconduire, il faut choisir. Le scoot noir mal garé avec le casque dessus en face du bar devant la supérette, c'est le mien. Ça m'arrangerait vachement que personne ne le touche avant demain matin. Du coup demain je partirai finalement pas tôt le matin puisqu'avant il faut que j'aille chercher mon scoot à pied. Et il est beaucoup trop tard pour que je me lève tôt demain. Faut que je me trouve un métier. Pour faire, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. Comme ça permet de tout de la regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao. Non, pas ciao non plus, c'est ringard. Faut que je trouve un métier.